parce que je vois que les gens, ils ont 10 steps dans leur routine que je fais 10 steps. Donc, je n'ai pas besoin de 10 steps. Voilà. Hello guys, like moi ici Karima et bienvenue sur Kanyurach. Vous avez vu le titre, on va parler de mes routines matin et soir. Et là, on va commencer par le soir. Ouais, parce que je viens de rentrer. Si vous avez regardé le vlog du Pullman, voilà, je viens de rentrer de la soirée. J'ai fait mon maquillage ce matin vers 13h. Et puis, j'ai pas retouché du tout. J'ai fait un truc comme deux vidéos. Il est 2h36. Et donc, j'ai rien mis. J'ai même pas mis le fixateur que j'ai acheté de chez Makeup Revolution. J'ai même pas mis ça. J'ai juste mis ma brume d'eau et puis this is the result. J'ai pas retouché du tout comme je vous ai dit. Gars, il commence à faire froid. On était à UD. On était à UD et Fofo à Mangalore et tout. Après, j'ai dansé un peu à Surfer Paradise. But still, I'm here. Un peu brillé. Je brille un peu au niveau du nez, mais sinon. Du was. Parce que je suis toujours malade, donc de gingembre. We love. So. Pour le Get and Ready with Me, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Mais petit disclaimer, je ne suis pas quelqu'un qui avait une peau acnéique. J'ai des boutons hormonaux, c'est-à-dire au moment de mes périodes, au moment de mes règles, c'est là que j'ai des boutons. En dehors de ça, j'ai rarement des boutons. Et c'est vrai que je fais certains efforts. Tu vois, quand tu fais certains efforts, et tu te rends même plus compte que c'est des choses en plus que tu fais, tellement j'ai l'habitude de les faire. Par exemple, j'essaie de ne pas toucher mon visage du tout. Surtout pas quand j'ai les mains sales. Ok? Donc, je touche mon visage quand j'ai les mains mouillées. Ça a été un peu... les mains propres plutôt, j'ai dit mouillées. Ça a été un peu compliqué au début d'avoir cette habitude parce que je suis quelqu'un qui me frotte tout le temps les yeux. Mais entre quand j'ai commencé à mettre le maquillage et les boutons, je me suis dit, bon, on va arrêter avec le frotter les yeux parce que tu mets ton crayon, tu penses que tu es belle et tout. Tu te frottes les yeux, tu ressembles à un... comment on dit ça, raccoon? Raconiqueur est français. Racundal. Racon laveur. Voilà. Donc, j'ai pris l'habitude de faire ça. Je bois de l'eau. Je dors sur ma thé en soie propre. J'ai pas tout le temps les cheveux sur le visage parce que ça aussi, les produits des cheveux, ça peut entraîner des boutons. Donc, j'ai pas tout le temps les cheveux sur le visage. Je dors avec mon bonnet la plupart du temps. Donc, j'ai pas vraiment de gros problèmes. Donc, Get Unready With Me, on commence par les bijoux que j'ai portés aujourd'hui. Je remets dans mon petit travel case. On a passé une bonne soirée, on a beaucoup rigolé. Et voilà, ensuite, une fois qu'on a les bijoux, on s'occupe des cheveux. D'habitude, pour les clippings, je les enlève, sauf que la flemme. Il est 2h, comme vous avez vu, demain. On peut se réveiller et aller au petit déjeuner à 7h, ensuite regarder le lever du soleil au niveau de la piscine, whatever, whatever. Donc ça ne va pas être possible de les enlever et de les remettre, même si c'est rapide. J'ai juste la flemme. J'ai déjà beaucoup bossé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé. Parce que mes corps TD, c'est du boulot, quoi. J'aurais pu juste profiter, coucher sur le lit bien doux, bien moelleux. J'ai pas fait ça, donc. Ok, on enlève les cils. Je les enlève comme ça. Je les enlève comme ça et j'ai toujours mes cils. Mais ça, c'est mon cas, c'est moi. Ok. Maintenant, les gens, ils ont donné un seul peignoir. Et même le peignoir là, il a dû appeler pour qu'on lui envoie. J'ai appelé pour qu'on m'envoie un deuxième. On m'a répondu un truc comme, on en a déjà envoyé un. Ok, mais on est deux. But for the sake of this video, I'm just gonna put it over my stuff to look fancy, you know. Je suis pas le type eau micellaire, coton, on frotte, on frotte. Moi, je mets de l'huile. J'utilise de l'huile d'abord. Donc, j'utilise de l'huile d'amande.
D'abord, me laver les mains. Ensuite, enlever comme ça. Je vais en mettre partout. Ok, j'ai pas une pote de maquillage aujourd'hui, but you get the point. Donc, une fois que ça c'est fait, j'utilise mon savon. J'utilise ce savon dont je vous parle depuis et je prends juste un peu. Je mouille et je propre ça dans mes mains. Et comme Jackie Aina a dit, ma cuisse, comme Jackie Aina a dit, si tu appliques ton cleanser alors que tes mains ne sont pas comme ça, tu yahungoko. En gros, il faut que ta mousse d'abord comme ça à l'endroit. Là, ça enlève la première couche et je vais refaire un deuxième cleanser avec la même chose, le même produit. Sauf qu'en plus, je vais utiliser maintenant cette brosse-là qu'on a acheté ensemble sur Shein. J'utilise cette partie-là, la partie un peu siliconée d'abord avant de passer avec les poils. Ils sont super doux, franchement, ils sont super doux ces poils-là. Donc, ma palette, un peu de savon, dans les mains, et frotte. Bon, jusqu'à ce que ça mousse bien. Ensuite, quand il reste un petit bout comme ça, je le mets sur les poils. Je le récupère tout à l'heure. Après, je passe la roche. En plus, il y a du bien. Ok, maintenant, vous avez vu le petit bout de main. Le savon, mettons encore comme ça. Et c'est super beau. Donc voilà, ça c'est la base de mon Get and Ready With Me. Tous les soirs, dites-vous que c'est ce que je fais, surtout quand j'ai du maquillage. J'aimerais le faire tout le temps, tout le temps. Avant, je le faisais tout le temps, mais j'ai perdu un peu cette habitude. Je vais reprendre. Et quand je me rends compte que je filme beaucoup et donc je me maquille beaucoup, et que surtout quand je me rends compte que j'ai le port un peu ouvert, j'utilise ce masque de Ilvera. On l'a acheté ensemble dans un vlog en 2022. Et voilà. Je le laisse poser. Il est superbe. Oh my god, il est superbe ce masque-là. J'adore. Donc, on l'a use that. Mais comme, encore une fois, c'est pas tout le temps, je vais vous montrer aussi mes autres masques. En fait, c'est un gommage. Sauf que quand tu le laisses poser, quand tu finis, même quand tu sens ça, ça fait tout ça. Maintenant, moi, j'ai pas tout le temps les pores ouverts. Les pores ouverts, quand je pense que c'est quand j'ai les pores, quand c'est ma peau est sale, quand il y a trop de maquillage, etc. C'est là que je me rends compte que j'ai les pores un peu ouverts. Donc, c'est pas un truc que j'ai tout le temps. Et ça guérit la chose. Non. Ouais, rien clair. Moi, je me vends pas la veille. Pardon. Si Jessie voit la vidéo là, elle va me dire, peut dire ce qu'elle veut. Parce qu'apparemment, je l'ai facile avec ma peau. Mashallah, knock on wood. Wood, ok.
Donc, c'est pour ça que je peux pas dire, il faut faire ci, ça et ça pour avoir une peau comme moi. Comme je vais vous dire, il faut faire tel exercice, pour avoir un fessier comme le mien. Non. Je vous dis ce que moi j'utilise. Comme ça, vous voyez ce que vous voulez faire. Normalement, avec ce que vous avez, parce que moi, quand je regarde les vidéos, des trucs comme ça, je regarde à qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux appliquer. Par exemple, de Jackie Aina avec la mousse et tout. Depuis que j'ai vu ça sur Instagram, je fais tout le temps ça. Et pourtant, je n'ai pas le cleanser qu'elle a. J'ai mon savon noir que je mets sur mes cheveux, que je mets sur mon corps. Rien de spécial. Mais avec ce que tu as, j'essaie de te créer une routine. Voilà. Un peu frotter, 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 frotter. Maintenant, je vais laisser poser quelques minutes. Donc, voici un des masques que j'ai. Celui-là, c'est le Gentle Retinol Cream de Good Molecules. Donc, c'est celui-ci. Vite, mais je fais la même chose jusqu'à ce niveau-là. Et au lieu d'appliquer ça pour laisser poser, j'applique ça. Ça, c'est un moisturizer. Tu le poses et tu vas te coucher. Donc, c'est ce que je fais. Je pense que je mets mon huile d'amande avant parce que je la mets tout le temps. Avec mes cheveux, je mets tout le temps l'huile d'olive avant de mettre la crème. Pareil. J'utilise le même processus pour mes cheveux que pour ma peau. Parce que tout ce qui est ongles, peau, cheveux, dents, c'est ce qu'on appelle des fanères. C'est en dehors. Je sais pas comment expliquer. C'est des fanères. C'est le même truc. Donc, ce qui marche pour ma peau, normalement, devrait marcher pour mes cheveux, normalement, devrait marcher pour mes ongles. Donc, voilà. C'est pour ça que j'utilise la même technique partout. So, this is it. I am back. Regardez. Il a bien séché. Et là, c'est là que je vous dis, tu sens où? Entre-temps, moi, j'ai pris une douche d'où la serviette en dessous. Don't mind me. Et maintenant, je vais me rincer le visage. D'habitude, quand j'ai du edge control, quand j'ai du gel, quand je fais mon cleanser, quand je passe mon savon là, je nettoie bien là-bas. Et à la fin, je mets de l'huile de ricin dessus ou de l'huile d'amande. Parce que elles disent tous les jours là, il faut enlever ça. Dans les quoi? Comme dans les poupées. Autant le micro. Donc, je vous reviens. Un petit close-up, vous avez vu? Est-ce que vous voyez bien? Il y a toujours de l'eau en fait. Mais là, je vous assure comment je me sens là. Comme je vous ai dit, ça fait. C'est comme si tu avais mis une gaine sur ton visage. C'est ça que ça donne. J'adore ce masque. J'adore ce masque. Ensuite, quand c'est comme ça, j'ai fini. Je mets un seul masque et quand j'en mets. C'est vraiment quand je me rappelle quoi, franchement. I'm doing the most right now. Ça, c'est vraiment celui-là, je le mets le plus souvent. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre dans cette vidéo. Je vous ai parlé de l'autre, le rétinol. Ensuite, ça, je mets ça rarement. Le contour des yeux que j'ai acheté en même temps que le masque, je le mets assez rarement. Franchement, Disney, il me sort. Ah, bref, t'as encore. Il est là, le contour des yeux d'Inoya. Ok. Donc, 3 en 1, machin, machin. Là, avec le froid, je pense que je vais l'utiliser plus. Parce que j'avais la flemme de le mettre au frigo, en fait, pour que la bille métallique soit fraîche. Ah, mais là, it's giving. Avec le foie, là, on peut discuter. Ouh, ouh, girl. Ok. Normalement, tu pars d'ici. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3. Ensuite, toi-même, tu masses. Mais sincèrement, là, c'est merdé. J'avais dit quand j'ai acheté les produits là que ah, je vais vous faire, je vais vérifier, documenter, machin, machin. Ça n'a rien changé. En tout cas, le contour là n'a rien changé à mes yeux. Pour ça, des fois, je me dis que c'est naturel, prends. Et voilà quoi. Il n'y a pas de produit miracle. C'est naturel ça, franchement. Mes poches là, ma mère aussi, elle est comme ça. Donc, mes soeurs aussi. Genre, c'est naturel. I tried. It didn't work. I give up. Et j'ai vu quelque part que, par exemple, quand tu mets un primer pour les yeux, pour ton fard à paupières, etc., et que tu as des lignes de sourire, mets le même primer ici, que ça va bien attraper le fond de teint. Parce que c'est une zone à appli. Donc, des fois, je fais juste ça. Je ne sais pas pourquoi. Habitude. Donc, voilà. C'est ça pour les produits. Maintenant, mets mon huile en une goutte, pas beaucoup, juste
Des fois, je fais quelques massages installés dans le sonde. C'est tout ça là, quand vous êtes stressé, vous ouvrez grand la bouche. Ici là, avec les ça là. Vous faites des mouvements dans, comme ça, des circulaires, tout descend sur moi. Essayez ça. Ouvrez. Ah. Ah. Prenez ça comme ça. Ah, comme ça. Oh. Oh, regarde. J'adore ce mouvement. De tous les mouvements, c'est celui-là mon préféré. Maintenant, quand j'ai un bout de menton, regardez les trucs de massage là. Ici, si tu veux bien sortir les trucs, ça, les pommettes là, machin, ici, ça, des trucs. Bref, regardez les trucs. Le nez, ici, tu fais une pression, je vais monter. Bref, ici, tu fais monter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de massage là. Mon stress, instinct, j'ai tout ce que je vais faire. Il faut que je priorise les choses. Ça va venir. 2024 est là. It's upon us. Ce sera déjà le cas quand je poste cette vidéo. Yeah. Donc, une fois que j'ai mis l'huile, vous avez vu, j'ai mis vraiment un peu. C'est mon huile d'amande là. Je vais mettre mon moisturizer. Donc, ça, vous avez vu dans le hall digestif, le hall de Your Bonterra. Apparemment, il n'y en a pas ici. J'ai cherché Bossono. Cherchez Bossono pour Amélie. Il est super. Genre, c'est. Je vous ai dit ça dans le hall de toute façon. Il est super. Donc, je vais en faire un peu. Quand il fait froid là, ou bien quand vous dormez sous la clim, ou bien. Des faits secs. Il est magnifique. Donc, voici ma routine de nuit. Get unready with me, whatever. Je pensais faire une vidéo avec Get unready with me et le matin, vraiment, night routine et morning routine. Sauf que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Ou bien, là, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je ferme tout de suite la vidéo ou est-ce que j'attends le matin? Parce que elle est déjà assez longue, je trouve, la vidéo. Mais demain, le matin, je ne fais pas grand-chose. Déjà. Quand il fait super froid, une fois que je fais ma routine le soir, le sébum se fait dans la nuit. Le matin, je ne mets pas de savon sur mon visage. Parce que mon visage a déjà fait ce qu'il avait à faire, tu vois. Là, je lui ai donné tout ce que je pouvais après l'avoir agressé. Et dans la nuit, il se répare, tu vois. Donc le matin, je ne mets pas de savon sur mon visage quand je me suis lavé le visage la nuit. Donc le matin, je passe un peu d'eau. Et je mets du savon sur mon visage quand il fait chaud. D'accord? Là, il fait sec, il fait froid. C'est différent. D'accord? Quand je sue, bah oui, je nettoie mon visage. Mais voilà, je peux juste passer vite fait. Et puis, on remet un peu d'huile. Et puis, on repart sur le moisturizer et le truc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas couper la vidéo. Donc, on se voit demain matin. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Demain matin, ouais, dans la suite. Donc, techniquement, ce sera ma morning routine d'hiver. Hello guys, bonjour. Je viens vraiment de me lever. C'est le mouvement hasard. Donc des fois je me la pète et je dis à B, franchement, la chance que tu as. Alors, même avec mes quatre adieux, je suis jolie. Il est 8 h finalement. Ah. Son, l'ego, qu'elle ne sait pas, n'a pas aucune langue. Donc, comme je vous ai dit hier, quand je me réveille, quand il fait froid, on enlève les cocards durs. Et si je sens que j'ai sué ou quelque chose comme ça, je mets un peu de cleanser comme j'ai fait hier, mais juste avec les mains, je mets sur le visage et je rince rapidement. Je ne laisse pas poser longtemps. Et je continue, je fais la suite. Donc, j'humidifie, j'enlève tous les machins, le gunk.
Et là, franchement, des fois, j'évite l'huile, parce que des fois, ce n'est pas nécessaire. Mille gouttes. Ou bien pas du tout. Moisturizer. Ah, j'ai oublié de dire un truc hier. Je suis pas censée te essuyer le visage avec ta serviette. Dirty, dirty. Sainte, sainte. Ah, ew. Mais les gens, ils ont des serviettes de tous les jours, ou bien ils ont des papiers toilettes, ou whatever. Qu'on est à l'INF. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je laisse juste ces gestes-là, je m'envoie. Parce que le papier toilette, ou bien les sopalins, le papier toilette, en fonction de où tu le laisses, si tu le laisses dans les toilettes, il vaut pas mieux qu'une serviette que tu mets sur ton visage. Si c'est une serviette, genre par jour, encore faute, quoi. On est fini, bah écoute tout ça. Mais gros, elle voit comme ça, sèche tout ça, tu te laisses, reste un bout de temps. Le visage a l'air libre. Donc, c'est une autre habitude que j'ai prise, mais que j'oublie tellement. Donc, elle va y. Là, j'essaie juste d'accélérer un peu pour la vidéo. J'ai amené le wash, parce que je voulais pas aller à ce bouger. Moi, je vais vous ai dit pour combien je l'adore. Ok. I've got my point across. Barabim, la peau est sèche. Sunscreen. Chiquette. Calme. Donc, je mets deux doigts. Je mets deux doigts. Au début, je mets dans la montagne là. Je vous dans les os. Pas de lumière bizarre autour du visage. Éliminé. On la voit pas là. Donc, c'est ce que je fais pour le matin. Ensuite, savon sur les sourcils. Je vais mettre là-dedans parce que c'est la routine. Un savon ordinaire comme ça, avec la marque de mon spoolie au milieu. Mon yak, mon maître. M'a emprunté au peigneur Adjani pour faire un peu de genre. Pour donner un peu de peps. La première fois que j'ai dit à Jessie, ah, mais c'est toi si j'utilise le savon pour mes sourcils. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, mais quand tu racontes une blague et toi-même tu rigoles, c'est pas drôle. Let me get it together. La goutte m'a répondu. En gros, quand tu sues, ça ne mousse pas. Pas mieux que de bel air, vous pensez que je rigole. Je rigole pas. The struggle is real. J'essaie de faire ça. Ok, je m'en vais. Attendez, je vais dans le miroir. Il faut s'y arriver. Donc, voici avec les deux là. Et c'est ça ma routine. Les make-up et les cassettes. Et je vous prévois de faire une vidéo. Je ne sais pas quand. Si vous avez des questions pour cette vidéo, dans les commentaires ou bien la partie communauté, j'ai fait un post quand? Bon, c'était le 26 décembre. Vous pouvez aller mettre vos questions là-bas ou bien dans le mail de kainurach@gmail.com. Et puis, c'était tout pour cette vidéo. Allez, marrant, je vous. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné toutes les informations que vous voulez savoir de ce que je fais sur ma peau. D'accord, et je ne pense pas qu'aucun des produits ait eu un effet super truc. Je fais le minimum parce que je sais que ma peau demande le minimum. C'est pas parce que je vois que les gens ils ont 10 steps dans leur routine que je fais 10 steps. Donc j'ai pas besoin de 10 steps. Voilà, sunscreen, do it. Mais sinon, je peux juste recommander. Ah, j'aime bien ce produit. Je peux pas vous dire, il faut faire si, I don't know. I'm so sorry, I don't know.
Voilà, je me sens pris de bougie dans mon petit bruit. J'ai deux doses. On va y retourner avec. Regarde. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais deux gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye guys, bye.